بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله. أولا مسيو لو ريكتور مسيو لي فيس ريكتور شير كوليك اونورابل اسيستانس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui nous allons mettre sur diapason la relation entre COVID-19 et l'environnement. Comme ça a été souligné par ma collègue Dr Abbaoui, elle a bien ciblé, bien sûr, le comportement social de l'être humain. Moi, je vais mettre en évidence le rôle de l'environnement durant cette pandémie. Quand on voit notre programme, tous les collègues, professeur Medeni, Dr Geniti, professeur Mazage, tous les collègues, Docteur Rgued, etc. Donc toute l'équipe va mettre en évidence l'aspect alimentaire d'un côté et l'aspect comportemental et social et bien sûr l'aspect sportif durant cette pandémie. Moi, je vais cibler l'aspect environnemental. Une fois qu'on aura mis en évidence cet aspect environnemental, on dira que nous, en tant que protecteur de l'environnement, on voit l'environnement, c'est le tout. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison, c'est que l'environnement influe sur l'agriculture, d'un côté, de l'autre, il influe sur la santé. Ensuite, tout en mettant en évidence la pollution et les atteintes environnementales. Et là, on dira que cet environnement, il agit négativement sur l'agriculture, avec la pollution, les métaux lourds, les toxines. De l'autre côté aussi, il agit sur la santé humaine. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, du point de vue médical, la première branche, la première filière médicale que je respecte en tant que spécialiste en environnement, c'est l'épidémiologie. Parce qu'à partir, à travers l'épidémiologie, je vois la relation entre l'environnement et la santé humaine. On a remarqué que avant la pandémie, on ne parlait pas beaucoup d'environnement. Malgré que les atteintes environnementales touchent non seulement la santé de l'être humain, et mes collègues médecins sont là pour le prouver, on n'a jamais parlé de la relation entre l'environnement, les maladies cardiovasculaires, l'environnement et les maladies respiratoires. Et pourtant, ça tue plus que COVID-19 ou d'autres maladies. On a remarqué aussi que l'environnement, il touche non seulement, comme on l'a dit, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, mais aussi la fertilité. Et on n'a jamais parlé de ce problème parce que chez nous, et mes collègues sociologues sont là pour le prouver, c'est un tabou. C'est un tabou de parler de la fertilité, la relation entre l'environnement et la fertilité. Et le dernier point, l'affaiblissement du système immunitaire. Maintenant, c'est prouvé. Les métaux lourds, quand ils arrivent, ils touchent pratiquement tout ce qui est glande, et ces glandes vont influencer négativement sur notre système immunitaire. Et c'est pour cette raison, on dira comment la pollution affaiblit nos systèmes immunitaires, comment la pollution affaiblit notre défense. L'objectif de cette journée, c'est quoi ? C'est de mettre en valeur notre système immunitaire et bien sûr tout ce qui entoure, tout ce qui aide notre système immunitaire, soit du point de vue alimentaire, soit du point de vue environnemental, soit du point de vue médical proprement dit. Ça a été montré récemment en France par professeur Jocelyne Juste. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est une allergologue. Elle a mis en évidence la relation entre le système immunitaire et l'environnement. Elle a mis aussi en évidence le problème d'allergie au niveau duquel, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, la pollution de l'air et COVID-19 sont un mélange explosif pour la santé. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore tout dit. Voilà ce que je disais sur la pollution.
Et ça, je le vois à Sétif. En regardant, en voyant ces bus, en voyant cette circulation, voilà le bus qui a pris feu devant la cité des remparts, au centre-ville. Non seulement c'était une vieille carcasse qui dégage de la fumée, mais il y a eu, bien sûr, cet incendie. Regardez, toute cette fumée, où est-ce qu'elle va partir? Elle va partir directement dans les poumons des riverains, et bien sûr, et au niveau des arbres limitrophes. Ce bonhomme-là, à la cité, il n'a jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Et vous le voyez, on le voit tous. Et on ne nous dit rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Il est en train, bien sûr, de peindre. Il peintre les chaises, les tables, avec des produits, avec des gaz hautement toxiques. Et les enfants passent quotidiennement devant ce monsieur et personne ne dit quoi que ce soit. Nous, nous avons un tramway qui a coûté cher, mais malgré cela, on laisse des vieilles carcasses circuler en ville. Pollution, changement climatique et santé. Là, je m'adresse à mes amis biologistes. Nous, on observe, exemple à bâbord, et monsieur le lecteur était avec nous lors d'une sortie d'une expédition à bâbord, et c'était extraordinaire. À bâbord, on a vu la chenille processionnaire qui ne dépassait pas les 1300 mètres d'altitude. Maintenant, on la retrouve à 1600. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la différence entre les 1300 et les 1600 mètres, la température a augmenté. Et ça, c'est une preuve formelle de l'augmentation, bien sûr, de la température et le changement climatique. Les maladies, l'université de Sétif, le centre complexe sportif, les habitants de Gassraya souffrent le martyr, surtout en été. Ils souffrent le martyr du moustique. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu vaincre ce petit moustique parce que les traitements qu'on est en train de faire, ce sont des traitements inefficaces. On fait la fumigation, en été, mais c'est faux. Normalement, le traitement devrait se faire à partir du mois de janvier. Au niveau de Oued Bousselem, au niveau des vides sanitaires, au niveau du parc d'attractions, au niveau du lac. Pourquoi? Parce qu'il y a les larves. Yarakat, Nemous. Mais janvier, mai, normalement, on traite les larves. Quand on traite les larves, on tue un certain pourcentage et le reste qui arrive au mois de juin, juillet, on utilise la fumigation. Et c'est ça le traitement scientifique. C'est là qu'on utilise la deltamétrine. La deltamétrine, c'est un produit qu'on utilise pour les adultes. Mais pour les larves, on n'a jamais fait quoi que ce soit. Voilà la chenille qui a pris, bien sûr, de l'altitude à cause de changement climatique. Là aussi, on a montré que le taux de mortalité des Covid a augmenté de 15%. Pourquoi? Parce que les régions au niveau desquelles ils ont fait des expériences aux États-Unis, ils ont dit que les régions les plus polluées, ce sont des régions qui étaient les plus affectées par Covid. Et là, ça leur a donné une idée que le taux de mortalité a augmenté parce que ce sont des régions très polluées. Si les régions sont polluées, donc les citoyens ont un déficit immunitaire. La même chose pour les PM2,5, c'est la poussière qu'on voit quotidiennement. Là aussi, on dirait que cette Covid, elle a des aspects positifs. Je disais tout à l'heure, Covid, aspect négatif. Durant le confinement, on a remarqué que le taux de CO2, les émissions de CO2, a diminué. Et vous l'avez tous remarqué, qu'il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas d'industrie. On a remarqué qu'il y a une réhabilitation de l'environnement. À l'université de Sétif, je l'ai constaté de visu, j'ai trouvé des hérissons, un Afljamia, tout le département de pharmacie. On a trouvé des tortues durant l'été où on a effectué une décontamination de l'université de Sétif. On a ramené les entreprises. C'était une initiative conjointement avec M. le recteur qui nous a donné l'avis favorable. On a décontaminé toute l'université avec des produits. On a fait le désherbage. On a nettoyé. Et avec M. le vice-recteur, je me rappelle, on a travaillé vraiment
avec une volonté extraordinaire. Alhamdulillah, yani. Donc, on voit que cette COVID-19, elle a des aspects positifs, elle a aussi des aspects négatifs. Parmi les aspects négatifs, premièrement, l'utilisation d'Internet. Parce que tellement il y a le confinement, tu ne peux pas sortir, on se rabat l'Internet. Quand on se rabat sur Internet, on consomme plus d'énergie. Quand on consomme plus d'énergie, plus de CO2 qui est mis. Un. Deux, les bavettes. Là où on va, on les trouve. Et c'est malheureux. Donc, et c'est pas bête, quand il y a la partie plastique, qui va mettre 400 ans pour, bien sûr, se dégrader. Voilà les bavettes, les trottoirs. Ça, c'est devant le musée de Sétif. Ça, c'est dans l'eau. Et la relation entre la faune et Covid-19, on a surtout la faune sauvage. Jusqu'à ce jour, ça reste encore un litige. Est-ce que Covid-19, c'est vrai? Est-ce qu'il a été transmis par le pangolin? Est-ce qu'il a été transmis par la chauve-souris? Est-ce que c'est un virus qui a été manipulé au labo, Bilal? Est-ce que c'est un virus qui a été manipulé au labo? Est-ce que c'est échappé involontairement? Est-ce que c'est volontairement? C'est toujours un point d'interrogation. Mais dans tout cela, moi je vais toujours à la source. La source c'est qui? Excusez-moi, c'est les animaux sauvages qui transmettent cette pathologie aux animaux domestiques. Et là, si vous vous rappelez le cas du virus H1N, H1N1, H1N2, H1N5, chaque année, un virus revient et chaque année, c'est une pandémie, chaque année, c'est des vaccins, chaque année, c'est un affolement et ça donne à réfléchir sur la relation entre la faune et sauvage et bien sûr les pathologies. Alors là, c'est le calendrier pollinique de Sétif. Ça a été fait avec des étudiants de biologie, de master 2. On avait une expérience, c'était une approche. Et là, ce calendrier pollinique, on met en évidence les espèces avec le taux allergisant et en même temps la période de pollinisation. Je souhaite, Inch'Allah, cette année on n'a pas pu le faire, l'année prochaine, Inch'Allah, de faire à grande échelle ce calendrier pollinique et le distribuer aux médecins. Et de dire, quand le malade il arrive, moi je suis allergique au cyprès, s'il vous plaît, durant cette période, mettez les bavettes. Et comme l'ont souligné tout à l'heure nos amis épidémiologues, ils nous ont dit la culture de bavettes, normalement on devrait l'avoir même après la pandémie. Pourquoi? Parce qu'on nous montre à la télévision qu'en Chine ou là au Japon, quand il y a une forte pollution, les gens mettent les bavettes. Donc le calendrier pollinique, il est très important. Et vous voyez que quand on a le cyprès, ou bien on a l'olivier, ou bien le platane, qui a 4 ou 5, normalement, ça nous donne à réfléchir pour choisir les espèces qu'on devrait utiliser. Et là, une petite rapidement, je dirais que ce sont les espèces qu'on conseille aux décideurs de les planter parce que ce sont des espèces qui ne sont pas allergisantes. Comme l'orme, comme les femelles ne dégagent pas le pollen, donc on les utilise pour, bien sûr, le reboisement. On a remarqué que durant le confinement, vous l'avez tous remarqué, on a fermé les jardins. Et quand on a fermé les jardins, les gens, où est-ce qu'ils sont partis? Megres Znedia, on les a trouvés dans un état lamentable. Et c'est pour cette raison qu'il faut préserver l'environnement et le mettre comme cheval de bataille pour nous. Alors, je veux faire la marche. Je ne vais pas faire la marche de la rue de Constantine. Moi, je vais faire la marche dans un milieu au niveau duquel il y a beaucoup de plantes et les plantes vont me donner l'oxygène et nos collègues médecins sont là. Chaque fois, on parle, allez, saturation d'oxygène, l'appareil d'oxygène. Moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais aller voir, je vais utiliser l'oxygène pur, l'oxygène naturel. Voilà l'état, Znedia. Regardez. Oui, Znedia, Megres, Montanguandes. Regardez, c'est dans un état
lamentable à l'environnement. Alors, je m'excuse, Madame la Présidente, regardez s'il vous plaît, un arbre centenaire au centre-ville de Sétif de Wahim Fouara à cause d'un hôtel. Allez, c'est le dernier maillon de la chaîne. Enlevons les arbres à cause d'un hôtel. Regardez, c'est un arbre. Là, c'est le tramway. Quel massacre! Ils ont enlevé tous les arbres de la rue de Constantine, mais ils n'ont jamais été remplacés. Regardez, c'est une avenue chauve, comme moi. Walou, zéro arbre. Regardez. Voilà Bousselem, voilà l'autoroute. Et on le voit tous, les employés de l'autoroute nettoient le côté, parce que les citoyens jettent les bouteilles d'eau minérale, les déchets. Regardez où est-ce qu'ils les mettent, juste derrière le terre-plein. Hey, c'est pas normal. Quand on parle d'environnement, on essaye de blanchir la vitrine, mais le fond, il est très, très pollué. Quel cadre intervient la société civile pour l'agenda 2030? Là, je m'adresse à tous mes enfants, tous mes amis des associations. La balle est dans votre camp. En conclusion, je dirais qu'il faut renforcer la résilience climatique. Nous, il faut renforcer la résilience climatique. Pourquoi? Pour des économies, pour les écosystèmes, pour promouvoir la convergence et le financement du climat et la biodiversité et la santé. Donc, sur ce, je dirais qu'il faut investir dans la protection de l'environnement qui sera notre cheval de bataille. Je vous remercie pour votre attention et je laisse toujours notre université qui est au service, bien sûr, de tous les partenaires par la transmission du savoir. Et je m'excuse.